Eh bien salut tout le monde, c'est Buscaman et aujourd'hui je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour la découverte de The Amazing Spider-Man sur PS Vita, un jeu qui est sorti il y a quand même plutôt pas mal de temps. On va continuer ma partie. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail ce petit Spider-Man qui est un portage console, donc portage PS3. Et ça fait du bien quand même d'avoir des portages sur cette petite sur cette console. On va pas dire petite, ça serait un peu péjoratif. Hop. Donc normalement on va se trouver voilà dans ma planque. Donc je viens de sauver le, enfin je viens de faire évader d'un hôpital psychiatrique le professeur Connors. Alors on va commencer tout de suite vu qu'il me demande. Vous voyez qu'on a des arbres de compétences. Enfin pas un arbre de compétences mais on peut améliorer ces petites compétences. Au calme. Tac. Ok, donc moi ça m'intéresse pas trop. Je dois perfectionner cet antidote. Ouais, on sait. Quitter. Allez hop. Peter, attendez. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ça, je travaillais là-dessus avant toute cette histoire. J'appelle ça des mouchards. Pour faire simple, si j'en colle un sur une antenne de la police, normalement, je peux écouter leur conversation. Normalement. J'ai pas encore eu le temps de les essayer. Mais c'est le moment ou jamais, hein? Je vais faire un petit détour en allant aux archives d'Oscorp. Tac, donc c'est super, je vais pouvoir vous montrer un peu New York et en même temps faire une mission. Donc c'est plutôt cool. Alors je vais vous dire ce que j'aime bien dans le jeu et bien sûr ce que j'aime pas. Je vais vous conseiller ou pas de l'acheter. Hein. On va commencer tout de suite par ça. Oui, bien sûr, je vous conseille de l'acheter. Il coûte entre 20 et 30 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Hein. Pour un portage, en plus, hein, c'est vraiment un vrai jeu. C'est pas comme un petit, par exemple, Lego Marvel dégueulasse qu'on a eu sur PS Vita. Que perso, je n'ai pas acheté vu la gueule du truc. Mais les développeurs devraient de plus en plus s'investir dans des portages sur PS Vita et pas des vieux jeux de merde de type dégueulasse. Alors, j'imagine que voilà. La chasse aux antennes est ouverte. Je dois trouver les trois pour obtenir Je les suis genre le codes. mec qui se la pète et tout, wesh. Bon, alors, le jeu graphiquement, Je n'aurai mon il signal n'est que si pas je trouve leurs antennes. exceptionnel. Non, il est vraiment pas exceptionnel. Bon, après, sinon, ça reste beau, hein, voilà. Hein, de toute façon, il n'est pas non plus vraiment ultra beau, même sur PS3. Hein. Alors, attendez, normalement, il y a. J'ai enlevé la petite poussière. Il y a possibilité, voilà, de courir. Ça, c'est plutôt stylé. Hop, on va aller à la prochaine. Hop, voilà. Et puis la deuxième n'est pas J'y trop suis loin. presque. Donc graphiquement c'est pas terrible. Au niveau de la fluidité, il n'y a que dans New York City où c'est un petit peu moins fluide. Mais ça reste tout à fait correct. Ça sera moins, c'est moins pire que Borderlands 2. Mais sinon le jeu en lui-même est vraiment fluide. Les combos sont vraiment stylés, vraiment classe. Bien joué. Par contre, les doublages au niveau des voix sont vraiment bien. Alors là, par contre, ouais, ça me donne un peu le tournis. Au niveau de la caméra, par contre, des fois, il y a quelques petits soucis, vous le voyez. Hein, des fois, quand on fait des attaques, par exemple, quand on est en plein combo, la caméra ne suit pas forcément le personnage. Donc, ça, c'est un petit peu dommage, mais voilà. Hein. Ouais, t'inquiète. Le son du jeu est pas tip top. Alors, je pense pas qu'il soit comme ça sur console. Sur les consoles de salon. Mais c'est vrai qu'il est pas tip top, tip top. Mais sinon, le jeu en lui-même est vraiment, vraiment cool. Donc, c'est vraiment un jeu que je vous conseille vraiment pour 20-30 euros. Moi, je l'ai acheté 20 euros. Ça vaut le coup. Franchement, ouais, ça vaut le coup. Ok. Alors, ah oui, je sais plus comment faut faire. Je crois qu'il faut l'esquiver au dernier moment. Il faut qu'il se prenne des voitures de type.
des types de type SWAT comme ça. Vas-y, fonce. Voilà. Frappe. Voilà ma gueule. Donc là en fait je suis un peu dans le rôle du méchant parce que je viens de faire évader le docteur Connors qui est un dangereux psychopathe, hein, rappelons-le. Bon, tu vas te calmer de suite, moi je te le dis ma gueule, ça va pas le faire entre nous. Allez, viens là. Hop, voilà. Vu qu'on vient de faire évader le docteur Connors de l'hôpital psychiatrique, et ben en fait ouais on passe pour le méchant du coup, et donc on est de moins en moins. Il va se calmer ce garçon là. Là on voit strictement que dalle. Hop, voilà, bon on l'a niqué. Ça va secouer, vous avez obtenu un trophée. Mais il a disparu. Ok, très bien. Hop, alors voyons voir. Est-ce qu'il y a moyen? Est-ce que les voitures roulent déjà? J'ai pas l'impression. Bah, c'est normal, c'est bloqué aussi ici. Je suis un peu con. Ah, il y a un petit comics. C'est cool. Ouais, ça va, tu devrais t'abonner. Alors, vous voyez, il n'y a même pas de voiture. Alors, je pense que ça a été retiré. Ah, si, il y en a quelques-unes. Je pense qu'ils ont dû réduire un petit peu le nombre de voitures au niveau de la. Au niveau de la PS Vita. Tac. Et donc du coup là on doit aller là-bas. Alors allons-y. Ouais, on va peut-être pas faire de mission. On va peut-être voir parce que les missions sont assez longues. Et j'ai pas non plus envie que la vidéo dure 30-40 minutes. Surtout que c'est juste une petite découverte. Donc là vous voyez quand même, c'est plutôt assez vaste, hein. Sincèrement. Ah, il y a un délit. Allons-y. Ah, il y avait un commit speech. Ouais, on s'en bat les couilles. Je pense qu'on gagne, je pense qu'on va gagner un trophée si on les a tous. Maintenant, tu payes ou tu crèves? Non, j'ai déjà payé ce que je devais. L'argent, crétin! Allez! Arrêtez! J'allais payer! Je vous le jure! Ah ouais? Qu'est-ce que tu crois? T'allais payer, hein? Allez. Je te défends quand même. Allez. Là, le mec il se prend, je sais pas combien de bifles, mais non, mais le mec il meurt là, mon gars. Il se prend ça dans la tête, il meurt. Tu lui exploses la gueule, enfin, tu lui exploses le crâne de 10 mètres de haut, mon gars. Il crève, le mec, quoi. C'est sûr. Alors là, je sais la mission qu'il faut aller faire, mais elle dure quand même longtemps. Ouais, c'est moi. Hop, regardez, si on se met là, eh bien non, notre reflet n'existe pas. Nous sommes un vampire ou je ne sais pas quoi. Donc, non, franchement, c'est plutôt cool. Moi, ça me rappelle l'époque où j'avais Spider-Man sur GameCube et que je faisais même pas l'émission. Je me baladais juste dans New York. New York City. Bitches. Ah, il y a encore un petit délit. De toute façon, on va faire que ça, au pire. Hop, allez, ma gueule, vas-y. Bouge. Ton petit cul. Ne me faites pas de mal, je ferai ce que vous voulez. T'as pas quelques bijoux pour aller avec ça? Prenez tout, mais ne me faites pas de mal. Ouais, c'est vraiment des petites missions histoire de gagner un trophée ou deux, quoi. Et je te l'ai dit, il meurt, mon gars, mais. Est-ce qu'on peut lancer des sacs poubelles? Je crois que oui, hein. Civil sauvé, vous êtes un héros. Encore merci, Spider-Man. Ce qui compte, Ouais. c'est que vous soyez encore en vie. Je dois y aller. Ce robot est gigantesque. Je sais pas de quel robot elle parle, mais bon. Une autre victime de tuer. Une autre victime de sauver, pardon. Alors, voyons voir. Il y a un comics. Non, on peut. Ok, vous voyez le pont? Bah, y a pas de doute. Est-ce qu'on peut? Moi, je pense pas, hein, de toute façon. Vu que là-bas, c'est la mer. Personne. Moi. Ouais, la mission est là. Elle est plutôt longue. Hop. Donc j'ai vu que ça vous plaisait quand même, hein, les vidéos sur PS Vita, hein, je l'ai bien vu avec Minecraft. Donc franchement, ouais, ça me fait vraiment plaisir.
Allez, on va la commencer et puis je sais pas si je vais la terminer de toute façon parce qu'elle est quand même longue. Hop, on rentre direct comme ça. Donc non, vraiment un jeu que je vous conseille, un bon petit jeu. Là, d'ici 20 jours, Minecraft sort, putain. Enfin. Enfin. J'ai dit une grosse connerie au niveau de la comment de la version de Minecraft sur PS Vita, j'ai dit 1.1 ou je sais pas quoi, mais en fait non, mais je veux dire 1.7 déjà, 1.7.4, enfin j'ai dit 1.4 en fait. Je voulais dire 1.7.4 déjà, mais je me suis mal exprimé Passe et devant mes je suis même yeux, pas sûr j'ai que ce soit ça compris. en fait. Comme vous pouvez le voir, c'est un chargement un peu spécial. Le docteur Smice a bien insisté De pour toute qu'on façon, je conduise crois que les directement à versions l'incinérateur. de console n'ont Peu rien à importe ce voir qui avec arrive les au chemin, versions PC. Spider-Man est toujours dans la nature. Alors surtout, ne laissez rien vous échapper. Du sol au plafond. Bon, en route. Voyons, on a les petits conduits un peu à la Batman, plutôt sympathique. The Amazing Spider-Man 2, qui est sorti plus récemment déjà, pourrait peut-être, je dis bien peut-être, sortir sur PS Vita, vu que le 1 est sorti, hein. Bon, après, je vous le dis, ça m'étonnerait, parce que je pense pas qu'il ait fait. En fait, les jeux PS Vita sortent au niveau des ventes et de la critique. Par exemple, il n'y a pas eu de Call of Duty Declassified 2, par exemple, enfin Black Ops Declassified 2 là, parce que les critiques étaient très mauvaises et le développeur avait dit. Il y avait eu des rumeurs à l'époque, non mais je vous jure, mais vraiment des vraies rumeurs, j'avais pas trop suivi, mais il y avait vraiment des rumeurs comme quoi. Comme quoi Call of Duty Ghost allait sortir sur PS Vita, mais vraiment des grosses rumeurs, hein, pas les petites rumeurs de merde. Enfin, vous voyez, et bien sûr, enfin non, voilà quoi, il n'est pas sorti. Et le mec l'avait expliqué, je sais plus, sur Twitter ou je sais plus trop quoi. Ils ont dit des gens détestent le jeu. Enfin, ils parlent de Call of Duty Declassified. Donc on voit pas pourquoi on referait un Call of Duty sur PS Vita en sachant que le jeu a été pas aimé du tout, quoi. Même s'il a déplacé, je crois qu'il a dépassé le million de ventes, hein. Donc voilà, après, ça dépend vraiment au niveau des ventes du jeu. Donc, après peut-être, hein, il y a peut-être de l'espoir au niveau de The Amazing Spider-Man 2 sur PS Vita, je sais pas. Ah, c'est vrai qu'il est quand même mieux en hein, The Amazing Spider-Man 2. Il y a une histoire un peu plus concrète. Parce que c'est vrai que les jeux. Oh merde, attendez, parce que là il y a un snipers. C'est vrai que les jeux Activision au niveau des super-héros, c'est-à-dire bah. Je parle pas des jeux Activision de tous les jeux Activision, hein. Je parle de ceux genre les X-Men, bah, les jeux ouais de super-héros sont pas souvent ultra tip-top, hein, comparé à un Batman Arkham City ou Arkham Asylum, hein. Je ne citerai pas Batman Arkham Origins. Ah, je suis mort. Bon, voilà, comme ça vous avez vu quand on meurt ce que ça fait. Et c'est vrai que The Amazing Spider-Man 2 est plutôt cool par rapport à bah, au 1 et puis bah, à tous les jeux faits par Activision de type super-héros, on va dire. Donc voilà. Je pense pas qu'ils arriveront à reproduire un jeu comme Batman. Je suis en arrêt maladie, j'ai trop mal au crâne. Je sais pas trop ce que c'est ce petit machin. Ce wagon des yeux, c'est compris? Bon allez, on va pas Vous pouvez recommencer voir, la c'est un mission, on est à chargement 15 un peu minutes spécial. déjà, je pense que c'est très Docteur bien pour une Smice a vidéo bien comme ça. insisté pour qu'on Donc conduise n'hésitez pas à me directement dire à dans les commentaires l'incinérateur. si vous avez Peu aimé. importe ce qui Je arrive, referai bien Spider-Man sûr est toujours dans d'autres la nature. vidéos sur des Alors jeux PS surtout, ne Vita laissez rien tels vous que échapper. Rayman Du ou sol par au exemple plafond. le Bon, en route. Injustice que je vais vous faire très prochainement. Moi sur ce, je vous laisse. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao tout le monde. We'll be right back.